La bataille des couples. Découvrez le casting intégral de la saison 2. La bataille des couples revient pour une deuxième saison avec de nouveaux candidats entre épreuves sportives, stratégie et amour. Quel couple remportera les 50 000 euros? C'est officiel. Le casting intégral de la bataille des couples 2 vient d'être révélé par TF1 ce vendredi 5 avril. Si récemment nous avons appris la participation de Mélanie Dédigama avec son nouveau chéri Vincent dont le visage était encore inconnu du grand public, nous savons quels autres couples emblématiques de la télé-réalité se livreront à cette nouvelle bataille. Fidji et Dylan, qui sont tombés amoureux dans Les Princes de l'Amour 6, affronteront Chloé et Virgile de la Villa d'Aix-sur-Brisée 4 ainsi que Wafa et Olivier qui ont participé à Koh Lanta Vietnam. Alizée et Maxime de Pékin Express 11 seront également de la partie face au couple Julia et Bastien des Marseillais et de la Villa d'Aix-sur-Brisée 4. Le premier couple gay de la télé-réalité Fanny et Nani fait aussi partie du casting avec Inès et Oussama de 10 couples parfaits 2 et Pékin Express 11 ainsi que le couple Olivia et Alexandre. Des influenceurs qui font leur premier pas dans la télévision. Qui sera le couple de l'année? Ces 8 couples s'affronteront pendant plusieurs semaines lors d'épreuves sportives. En début d'aventure, chaque couple sera en possession de 10 bracelets d'une valeur de 5 000 euros chacun. S'ils échouent au cours des épreuves, ces derniers seront coupés. Lucie Mariotti, la love coach de la Villa d'Aix-sur-Brisée, sera également présente pour aider les candidats dans l'évolution de leur relation amoureuse à travers des exercices notés. Si des couples ne donnent pas satisfaction à Lucie, elle aura le pouvoir de couper leur bracelet. Dès qu'un couple se retrouvera sans aucun bracelet, il devra quitter l'aventure. Chaque vendredi, lors de la cérémonie des bracelets qui sera toujours orchestrée par Christophe Beaugrand, les couples voteront les uns contre les autres pour s'éliminer. Chaque vote représentera un bracelet coupé. Après la victoire de Gesta et Benoît l'année dernière, lequel de ces binômes deviendra le couple de l'année et remportera jusqu'à 50 000 euros ?